Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4 et ça va être de la déchire les amis, parce qu'on va tester cette bêta ensemble. On va voir ses bons points ensemble, on va voir ses mauvais points aussi bien évidemment, mais en tout cas on va voir surtout ses bons points parce qu'il y en a, pas mal, mais bon aussi il y a des mauvais points hein, comme toutes les bêtas évidemment, il y a des bugs c'est certain, mais voilà, en tout cas c'est pour vous montrer un peu. Donc j'ai fait deux parties avant, une partie très inégale. Donc on avait tous les points, on les a massacrés, on a fait 460 tickets à zéro. C'était juste la grosse déchire. Donc espérons que celle-là soit plutôt égale, parce que franchement la première partie que j'avais fait qui était assez égale, on avait... Oh merde, j'ai pas pu vous montrer, c'est pas grave, j'ai pas pu vous montrer le... Ah, peut-être s'il se pose. Voilà, là, je coule. Oula. Ah, c'est génial de commencer sur ça. Ah, ça fait plaisir. Oui, donc la première partie que j'avais fait qui était vachement bien, et la deuxième, bah, c'était un peu inégal, quoi. Surtout inégal. Oula. Non, me tue pas, s'il te plaît. Genre, je l'ai pas eu. C'est quoi cette blague? Il était tellement coordonné, mon tir. Te fous pas de ma gueule. Oula. Beaucoup d'action. Ben, il est mort. Y a un truc qui me tire dessus là. J'aime pas trop ça. J'aime pas du tout ça même. Aïe. Ah non. Non. S'il te plaît, non, fais pas ça. Fais pas le con, Francis. Je l'ai pas eu, putain, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Le M320, ça a l'air d'être assez complexe. Oula. Et voilà, bienvenue sur Battlefield 4, vous prenez des canons dans la gueule. Ça fait plaisir, bref. Ouais, donc pour l'instant, hein, mes commentaires sont plutôt bons, hein, très bons même. Les graphismes, bon, évidemment, on se retrouve sur Xbox 360, hein, donc c'est pas exceptionnel. Mais bon, j'avoue que dans ma première partie, quand le gratte-ciel est tombé, mais j'avais des bugs de graphique, mais des trucs, mais ouf quoi, j'avais mon écran qui devenait noir, voilà, des petits trucs comme ça, là, je sais pas si vous l'avez vu que c'est très très faible, mais des petits trucs comme ça, mais qui duraient beaucoup plus longtemps, etc. Il y a même ma télé qui a ma Xbox qui a freeze, et j'ai pas compris, j'étais what. Ça m'arrive de temps en temps, hein, c'est vraiment chiant, mais ça m'arrive. Bref, sinon j'ai fait des parties plutôt bien, hein, j'ai envie de dire, j'étais pas trop déçu du mode conquête, on m'avait dit un peu de mal, hein, on m'avait dit que bah, on se faisait chier quoi, clairement, à 24 joueurs, mais moi je trouve pas pour l'instant, je trouve pas du tout même. J'ai fait du 14-14 en kill, le Little Bird, ah oui, je vous ai pas dit, mais le Little Bird justement, ah, il y avait un mec là. Merde, il est pas mort, bon, c'est pas grave. Ah non! Oh non, George, je l'ai raté. Putain, c'est quoi cette blague? Bref, le Little Bird, donc les touches ont changé. C'est-à-dire que... Ah bah tiens, on va prendre un tank. On va prendre un tank avec Engineer. Et oui, donc les touches qui ont changé, je trouvais ça très étrange. Et puis finalement, je me suis tellement bien habitué. Ça me va tellement mieux ces touches, je trouve. C'est beaucoup plus facile. Donc sur Xbox, hein, le joystick gauche pour monter et descendre. Et le joystick droit pour aller à gauche et à droite sur le Little Bird, je sais pas si vous voyez trop ce que ça fait. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve. Beaucoup mieux. Ça fait quoi, je fais que ça? Ah oui, c'est changer d'arme, ça. Après, je vais vous montrer les classes, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, enfin pas en fin de vidéo, mais après la conquête, je vous mettrai le domination aussi, hein, le mode domination. Qui lui est très 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 nerveux, hein. J'ai vraiment du mal à m'habituer au début, j'étais putain, c'est quoi ce délire, il se passe trop de trucs, je suis à rien du tout. Oula, je me fais lock. C'est un peu complexe là. Putain. Je suis rentré dans des murs, moi, je fais n'importe quoi. N'importe quoi, on va peut-être prendre une approche un peu plus intelligente pour cette fois. Oui, donc le monde domination qui est beaucoup plus nerveux, hein, on a l'occasion beaucoup plus d'utiliser les armes, hein, là on utilise beaucoup plus les véhicules et c'est normal, j'ai envie de vous dire, hein, c'est mode conquête, hein, vous plaignez pas si j'utilise pas assez les armes. On se fait prendre le point là, on se fait archi baiser en fait. Fail! T'es un fail, mon pote! T'es un fail sur cette planète! Bref. Il est mort, on va capturer le point tranquillement. Donc vous avez vu
Pour ceux qui n'ont pas la bêta, hein, c'est une différente façon de prendre le point. C'est quoi qui lui tire dessus là, m'expliquer. Il est à l'étage ou il est tout en haut? J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, on va peut-être sortir un peu de ce véhicule après. Hein. Je vais pas vous faire toute la séance avec ça. J'ai essayé de vous montrer l'hélicoptère, mais il est beaucoup pris. Hein. Vraiment du mal à le prendre. Qu'il est. Voilà. Et de 1 kill. Déjà plaisir. Alors, on va aller prendre un point, si possible. Hein. Coucou. Coucou. Tellement d'ingénieurs. Tellement d'ingénieurs. Ah, je vais mourir. Je sors. Hop. J'ai essayé d'avoir un kill. Ah non, putain, même pas. Même pas. Je me suis fait enculer. On se fait dominer là, non? Ah ouais, on se fait un peu. Ah non, quoique. Quoique, c'est plutôt. Enfin. Ah oui, non, au niveau des points, par contre, on se fait un peu. Ouais. On se fait un peu massacrer. Ah oui, 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 le Little Bird. Non, je voulais prendre. C'est pas drôle. Écoutez, je vais vous montrer le sniper. Ça sera une occasion. Oula, petit bug de texture là. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Sur une bêta, voyons voir. Le sniper que je trouve vachement bien. Ah putain. Oui, ça c'est le genre de truc, ça me. C'est des sortes de bugs graphiques en fait, ça. C'est pas très. Putain, il est beaucoup trop loin, je vois absolument rien. Il y a ce bruit de temps en temps, je sais pas ce que ça signifie en fait trop, mais mais écoutez, pourquoi pas. Spot bonus. Ah, j'aime bien quand les jeux ils sont en anglais, ça fait plaisir. Tac. C'est un pote. Je vous montrerai en fin de vidéo les actions plutôt belles que j'ai faites dans les autres parties. Genre, ça touche pas ça. Ça c'est une blague. Ah merde, il y a un hélicoptère. Et il y a surtout un tank. Ah non. Il y avait un tank sur ma. Ah oui, effectivement, il y a un tank, mais il m'avait pas vu. C'est compliqué, les amis. J'ai du mal là, je vous l'avouerai. Toi, tu prends beaucoup trop de risques, tu vas mourir. Quoique, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort même pas mal du tout. Ah, bah non. God. On va reprendre un tank, hein, écoutez. J'aimerais bien aller dans une quad un peu meilleure, sinon il n'y a pas des gens qui jouent vraiment bien. Voilà. Eux ils ont l'air bons. Ah oui, eux ils sont bons. J'aime bien les gens bons. Ah, il est mort par contre. Ça c'est dommage. Il y a un tank qui se ramène. Ils sont en train de prendre B. Tiens, bah, je vais attendre qu'ils prennent B. Écoutez. Et ce qui serait encore plus bien, c'est que le Little Bird tombe en attendant. Mais je pense pas qu'il va me faire cet honneur. Allez, prends B, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on va prendre après? On va prendre Assaut, comme ça je vais vous montrer un peu les différentes formes de gameplay sur Assaut. Allez, vas-y, B. Non, il veut pas. Ah, si. Je suis sur B là? Oui, je suis sur B. Ok, c'est parti. C'est parti, putain, je suis super loin. Vraiment pas l'endroit où j'aurais dû atterrir. Je vais vous montrer un peu. Donc en fait, maintenant, on a le M320. Ah putain, j'aurais pu baguer le tank là, c'est tellement une mauvaise idée. Le M320 et le First N. Head, pardon. À droite, avec la flèche droite, pardon, vous avez le medikit et. Je vais attendre que ce truc passe. Et à gauche, vous avez le M320. Alors là, il y a du monde. Vraiment du monde, je crois pas qu'il m'ait vu. Si je suis sur le radar, c'est qu'il y a un problème. Essayer de les back, ce serait l'idéal. Hop, voilà, c'est fait. Ok, lui il m'a vu, lui il m'a carrément cramé. J'ai touché, ça a pas dû lui plaire ça. Hop là, et 2-3, ça fait plaisir. Peu d'action là dans ce monde de. Brut, il est où l'autre? J'ai vu un mec sur mon radar.
qui a disparu, on va dire. C'est étrange. Ce qui est cool, c'est que j'ai eu trop peur. Hein. J'ai démarré le jeu. Je suis allé voir dans les serveurs parce que, enfin, je veux dire, sur Battlefield 3, je vais tout le temps voir dans les serveurs. Il y avait zéro personne. Je me suis dit, putain de merde, il y a personne qui joue. Je vais pas pouvoir tourner ma vidéo. Et ben non, hein, en fait, il suffit d'aller sur Quick Match. Je sais pas pourquoi tout le monde sélectionne Quick Match, mais c'est pas grave. Ah, il y a un mec là-bas. Tiens, ça se tente. Non, ça marche pas du tout. Ce serait trop beau que ça le touche. Ce serait tellement beau. Ah bah voilà. Mon pote s'en est chargé, ça fait plaisir. Il y a un mec là-bas. Tiens, je vais protéger ce point parce que ce qui est bien, c'est qu'en en mode conquête, c'est l'un des seuls points, j'ai l'impression. Oh, ah putain, merde. Non, oh, pff, dommage. Dommage. Bon, on l'avait bien protégé au début. On va essayer de respawn dessus. Ah, il y a mon pote. Oui, et moi. C'est pas grave, on va respawn dessus, on va s'en occuper très clairement. Ça va être très complexe, je pense. Ah putain, non, on fait pas réapparaître là. Ah, le tank, où est-ce qu'il s'est placé? On est en train de se refaire prendre le point. Écoutez, bah, je vais reprendre, hein, rien à foutre. Du coup, à la fin de cette conquête, hein, je vous montrerai bien évidemment le domination et puis je vous montrerai tant qu'à faire. Il y avait un mec là, non? Les autres classes. Il y avait personne là. Ah, dommage, j'en ai eu qu'un cette fois. Trop beau pour être vrai. Putain, ils m'ont tous cramé le putain, il protège bien ce point. Tiens, je vais aller voir avec mon pote là. Tiens, je vais vous montrer l'autre classe. Hop. Moi je veux monter. Non, arrête de te coucher, bordel de merde. Il veut pas monter, bon c'est pas grave. Donc la classe support. Tu meurs. La classe support qui est assez étrange. C'est une sorte de fusil à pompe martien. Enfin c'est un fusil à pompe je crois. Hein. Ou un truc de genre. Hein. Ouais, ah non, c'est une sorte de truc avec à coups, c'est assez étrange. Et après, le gros mitraille, que je trouve vachement mieux que sur Battlefield 3, personnellement. J'ai vraiment du mal à jouer avec cette classe sur Battlefield 3, hein, surtout avec les gros machins. Hein. J'avais horreur de ça, je trouvais ça absolument déjà pas pratique du tout, pas simple à jouer. Et voilà, c'était clairement pas facile pour moi de jouer avec cette... je vais y arriver. Cette classe, voilà. Il y avait quelqu'un là sur la gauche. Peut-être aller s'en occuper. Comme vous pouvez le... Enfin, je vais le répéter parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. La classe support n'a plus le C4. Pour ceux qui ne seraient pas au courant. Hein. Elle n'a donc plus le C4 et a à la place ce fusil machin. Et elle a les munitions, bien évidemment, à disposition. Les mecs qui galèrent. Yipi, on n'arrive pas. Allez-y les mecs, vous attendez quoi là? Ce que j'ai remarqué qui est vachement sympathique, c'est si on veut faire des petites attaques comme ça, on peut. En plus on perd même pas de points de vie. Ça fait plaisir. Il y a un mec là, je vais me le faire tout de suite. Oh putain, il y a un mec là. Il est à moi? Oh oui. Oh non, genre. Ah putain non. Je l'ai eu mais il est mort en même temps. Je suis mort en même temps. Dommage. Allez, un petit raise là. Non. Non. Ils vont pas vouloir raise à mon avis. Ouh putain, ils sont en train de se faire back par le tank. On va prendre l'assaut. On va aller avec notre kiff, hein. Oula. Allez, go. Ah putain, dommage. Dommage. Ah bah, première partie que je vais... Oula, petit bug. Première partie que je vais perdre, hein, je pense. Ah ouais, Little Bird. Ouais. Ah, un petit peu une vue aérienne, ça fait plaisir. Bon, avec les cendres, vous allez me dire, on va pas voir grand chose. Mais si, tout de même. Allez, moi j'y vais. Je suis un malade. Hop. J'aurais peut-être pas dû prendre cette classe, mais c'est pas grave, je suis un malade quand même.
Oula, non. Allez, ça, ça m'énerve très fortement. Je vous expliquerai ça plus tard, mais... Ça va être compliqué de tuer ce mec, j'ai l'impression qu'il a l'air plutôt bon. Qui m'a assez démonté de loin. Il cherche pas à venir me tuer, bizarrement. Yeah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tiens, tiens, reviens là, toi. Hé, hey. Hey, Francis. Non, il veut pas. Tant pis. J'arrive pas à faire. Non. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas comme avant, les amis. C'est pas grave. Oula, oula, oula. Ah, je l'avais pas vu. Dommage. J'aurais dû être un peu plus sur mes cartes sur ce coup-là. Tac, tac, tac. Tic tic, toi t'es un bon, toi t'es un bon. Ah, je vais me mettre en assaut par contre cette fois. Fais attention à tes arrières, meurs pas s'il te plaît. Ah dommage. Ah oui, toi t'es bon, toi. T'es bon. Je vais essayer de débloquer le défibrillateur, ça ferait plaisir. Ils sont en train de prendre le point là, oui. Ils sont carrément en train de prendre le point même. Tu meurs, toi, tu. Parle même pas, tu meurs. Il n'y en avait qu'un ? Non. Bah non, je suis toujours en train de perdre le point en fait. Il ne doit pas y en avoir qu'un. A priori, hein. C'est quoi cette chose ? Ah oui, c'est pour tuer les Little Birds. Ah oui, il y a tout le monde escouade. Magnifique. Ah, il y a un mec là-bas. Il y a deux mecs. Trois mecs. Beaucoup de gens. Beaucoup. Ah non, il y a surtout un. Je vais me le faire. Je vais essayer de me le faire au. Je vais mettre un medikit. Et il parle chinois. Je me fais kiffer ça. Quand j'ai vu ça dans la vidéo de Fantap, ça m'a bien fait kiffer. Putain, j'arrive pas à l'avoir ce bâtard. Allez, vas-y, ramène ta joie, ramène ta joie. Vas-y, ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. D'accord, ok. Ah putain, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Ah, j'ai plus de balles. Comme ça, c'est fait. Ça c'est fait, vous allez me dire. Oula! Non mais vas-y, arrête! Ouais, mon pote! Aïe aïe aïe! Non, non, non! Oh. S'il te plaît, non, pas. Pas tout de suite. Au pire, il y aura un époque qui prend braise. Enfin, j'espère. J'espère. Ok, j'ai récupéré ma vie, tout va bien. Le Little Bear a l'air d'être parti. Par contre, ils sont tous là-bas, mes potes. Ils devraient peut-être pas trop camper ensemble, non? Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ah ouais, putain, il y a un tank. Oula. On va de l'autre côté. Bon, ils sont pas trop embêtés. Peut-être qu'on va la gagner, en fait, cette partie. En fait, ah putain. Des mecs de partout. Je peux pas m'en aller, hein, parce que soit je me fais tuer par le snipe, soit je me fais tuer par le tank. Donc on va y aller tout droit, hein. Ah, ah putain. D'accord. Tu la joues comme ça. Okay. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Putain, il y a le tank, non? Non, il fait plus attention à moi, on dirait. C'est plutôt cool. Ah oui, des munitions. Bien ça. Bien. Je sais pas où il est le mec. Il est mort. Ils sont en train de tirer là-bas. Je sais pas ce que ça donne. C'est impossible de tuer ces mecs. Ils sont complètement malades. A été repris par les gens. C'est à nous, je crois. Ou du moins à l'air. Peut-être à nous. Personne là-bas. Oh. Et... Il y en a un deuxième. D'où on en a deux. Ah. Les potes sont en train de mourir. À la rescousse. Oh putain, B est en train de se faire. J'avais même pas remarqué. C'est ça que je trouve assez chiant, c'est qu'il n'y a plus grand monde pour nous prévenir. On va se diriger sur B, hein, écoutez. Gros risque.
Prise de risque. Ninja. Prise de risque, ninja. Les gens là. Ah, un mec là. Il est à moi, il est à moi, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Ah, t'es mort. T'es archi mort, mon gars. T'es archi mort, ninja. Désolé, je peux pas 13, mon pote. Hein. Ouais, et on a perdu. Ah là là. Bon, ça fait un grand plaisir d'être avec vous pour cette première partie de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour la deuxième sur en mode domination. Chers amis, et ça y est, on se retrouve pour la domination. Ça fait plaisir et on va jouer surtout en assaut parce que je trouve que c'est une bonne. Je sais pas pourquoi j'ai tiré au gun. Une bonne. Oula, merde. J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai fait absolument n'importe quoi. Oula, on a des petits problèmes là. Attendez, oui, il y a quand même des gens dans la team, je me demandais. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, hein, ça fait plaisir. Et. Putain, j'ai une malédiction de la réapparition, quoi, c'est pas croyable. Ok, donc là ils ont fermé les trucs. Là, il y a un méchant. Mais j'y arrive plus là, je sais pas ce qui m'arrive, je n'ai fait juste une avant, hein, mais je sais pas. J'ai fait une. Oh! Putain, y'a quelqu'un qui a un. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! C'est beau, mais en même temps, tu te demandes ce que c'est. Oula quoi, mais c'est. C'est étrange. Écoutez, ce n'est pas grave. Il a l'air d'avoir pas mal. Ah putain! J'ai du mal là. Bon, va falloir que je m'en mette dedans là, un peu l'action. Ah oui, je vais vous raconter un peu 2-3 trucs sur. Putain de merde. Sur ce mode de jeu. Hein. Le principal truc. Eh mais, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Malédiction de la réapparition. Je ne veux pas me déployer sur quelqu'un. Comment est-ce que je fais? Non, je. Voilà, comme ça. Ah, putain. Ah, oh, je respire. Donc, déjà, il n'y a pas de temps pour réapparaître. C'est-à-dire que dès qu'on meurt, on peut réapparaître direct. Aucun respect. Ça permet de faire un peu n'importe quoi, je pense. Parce que si jamais il y a trop de mecs qui réapparaissent en même temps, je suppose que ça doit faire absolument n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a ces petits élévateurs sympathiques. Hein, qui existent sur la map de Shanghai. Hein. Je sais pas si sur d'autres maps il y en aura, mais en tout cas, il existe sur celle-là, ça, c'est certain. Je vais aller vous montrer un peu en haut, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que je vais pouvoir être tranquille. Oui, on dirait. Donc là, il y a des gros bugs de texture à cet endroit précis. Hein. Des gros bugs de texture. Mais bon, il faudra faire avec. Là, il y a B. Là, il y a un mec qui balance un gros tir de malade mental. Ah tiens, je vais vous montrer la recon après. Je vais vous montrer la recon. Je vais essayer de décoter un kill. Non. Le jeu ne veut pas. Si je ne veux pas, écoutez, on peut rien faire. Il y a pas mal de mecs là. Je vais pas faire l'idiot, donc je vais sauter genre par là-bas histoire de pas me faire trop tuer. Ah. Ah, sympa le tir. Hein. Joli coup. Free Fairy Geek, je sais pas quoi. Recon, je vais vous montrer un peu le snipe. Parce que je me souviens que vous l'avoir montré, je crois. Oui, je crois que vous l'avoir montré, mais j'ai pas. Je vous ai pas montré de kill en fait, tout simplement. Pas grand monde là, ils sont où les gens? Où sont les gens? Il va y avoir des gens sur A, ça c'est certain. Il est mort. Dommage, raté. Genre, je l'ai pas vu, c'est quoi cette blague? Putain, j'arrive pas. Putain. Yes! Gros. Alors, attendez. Oh non, je me suis fait tuer par un mec quoi. Mais non, mais j'étais en plein duel là. J'étais en plein duel, mon gars. Tu peux pas m'interrompre ça. C'est pas juste.
récupérer le point tranquillement là ou je vais me faire agresser sexuellement. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être plutôt bon. Personne de ce côté là. Ah, mon pote qui est mort, ça c'est un mauvais signe. C'est pas grave, c'est pas grave. Et j'ai envie de vous montrer du kill avec le snipe parce que je trouve qu'il est vachement sympa. J'arrivais pas trop. Ah putain. Ah. Il y a du monde là, je sais pas. À l'attaque. N'importe quoi le mec. Tiens, support. Support. Je vous ai pas trop montré ça. Tuk. Je vais peut-être essayer un coup de C4 après avec le recon, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa même. My bad. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, cool. On a tous les points là. On les massacre. Un truc de malade. Y a des mecs. Ah ouais, mais ils doivent être tous en haut. C'est chiant. Ah non, B. Bravo. Comme vous pouvez l'entendre par le mec. Hein. Tous les gens sont en haut, j'ai l'impression. Aïe. M'enferme. Le mec il a pas compris mais qu'est-ce qu'il... Personne là. Où sont les moutons? Personne. Ah là. Ah non. C'est des mecs en haut qui les ont tués je crois. Ah, peut-être une petite grenade, on va voir ce que ça donne. Ça va pas du tout marcher. Là-bas. C'est le mec il a. Oula! Aïe! Oh! Oh, j'avais même pas testé! Oh, c'est quoi ce truc? Ça a l'air trop fun, j'ai envie de réessayer. Oh, ouais! C'est trop cool cette vision! Je trouve ça trop fun. Sincèrement. Mec, gros explosion. Ça fait mal ce truc. Ça fait clairement mal. En fait, elle est pas si inutile que ça cette classe. Parce que faut dire que cette classe, franchement, je n'y arrivais pas hein, sur Battlefield 3. J'étais vraiment mais. J'étais mais d'une nullité avec cette classe. Mais un truc de ouf. Oula. Gros bug. Personne. Cool. Il y avait des gens là-bas tout à l'heure. Est-ce que je peux passer? Ouais, je peux passer. Y'a personne? Oh, dommage. Dommage. Ah. Oh ouais, bon, là, ça va être compliqué pour l'avoir, mes amis. Ça va être assez complexe. Ah, dommage. Dommage. Hop, on réapparaît direct. Bah moi je continue avec cette arme, écoutez je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il y a des gens. Le truc c'est qu'il faut pas être. Il y a des gens là. Personne. Ils sont tous morts. Ah, il y a un mec sur le côté par contre là-bas, c'est pas grave. Il... Tant qu'on prenne le point, voilà qu'on se ramène un peu de points. Yeah, je l'ai eu, super. Par contre, j'ai perdu beaucoup de points. Enfin, non, pas tant que ça en fait, ça va. Allez, ah putain, j'ai. grosse pression là. Grosse pression. Où tu vas toi? T'es bon. Y'a un mec derrière? Ah non, il est au-dessus. Il est au-dessus. Pas de soucis. Pas de soucis. Voilà, prends le respect, connard. Ah merde. Grosse prise de risque. La vidéo va se terminer hein. Oula. Ah non, j'ai rien dit, j'ai eu un petit problème psychologique. Le bâtard, je l'ai.
Parce qu'il est... Non, je voulais la voir. Je voulais la voir. Dommage, dommage, dommage. Il se trouve qu'à chaque fin de partie, bon là vous n'allez pas le voir malheureusement, mais qu'à chaque partie en fait si vous sautez, donc si vous appuyez sur A bien évidemment, on peut voir les gens sauter. Ce que je trouve assez drôle personnellement, j'avais vu ça pendant la première partie, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi les gens sautent? Et puis bah effectivement les gens sautaient. Et voilà, donc c'était un plaisir d'être avec vous durant cette vidéo, j'espère pouvoir vous faire une petite frag movie hein, d'ici peu. Comme vous pouvez le voir là, j'ai eu pas un ratio super, 9-13, hein, c'était pas super super, mais en tout cas j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces vidéos. Si vous avez pris du plaisir, je vous invite à partager cette vidéo, à l'aimer, à la commenter, me dire ce que vous avez pensé de BF4 en général, ce sera un grand plaisir de répondre à un commentaire. En tout cas pour moi, je vous souhaite à la prochaine fois, sur une frag movie, sur BF3, bien évidemment, ou sur GTA 5 même, si ça vous intéresse. À la prochaine, ciao.